Et hop là, bonsoir à toutes, bienvenue sur le stream. Juste un truc. Hop. Alors, au programme ce soir, découverte de Huge Enemy World Breakers, hein, qui est du shmup horizontal. De ce que j'ai pu voir en vidéo, apparemment, ça va être surtout des combats de boss en fait. Et il va y avoir un principe d'esquive de boulettes. On va pouvoir changer de plan en fait pour esquiver les tirs, apparemment. Donc, le jeu a l'air d'être bien basé là-dessus, donc on va tester ça tranquillement. Et ouf. Alors on a là. Yop Taz. C'est pas en anglais, on sera bien. Huge enemy prediction. Donc le jeu est sorti bah, début septembre, j'allais dire il y a pas si longtemps, mais en fait ça fait ouais ça fait déjà beaucoup trop longtemps en fait. Ça fait déjà quasiment 3 mois finalement. Le 3 en bronze est moche quand même. Il reprend. Il reprend la deuxième place du podium. Bravo. Tiens, pourquoi j'ai pas l'alerte? C'est bizarre. Clone. Alors, Huge Enemy Worldbreaker. Ok, start the game. Bah ouais, ce que je vais faire. Tac. Sinon, je viens de recevoir un petit mail. Ah. De la part de qui? De la part de Walson? Idéal? Un développeur de Hack and Slash préféré. Ah! C'était pas Walson alors. Donc, alors attendez, donc là on arrive au menu principal, donc Huge Enemy et World Breakers. Play OST, Money Survival Easy Hard, MS Mode, Core, Select Ships. Alors il y a deux vaisseaux différents. Donc j'ai vu ça, il y a le Razor qui est plus rapide, ou alors il y a le Kibo qui fait plus de dégâts. Donc du coup, je pense que je vais garder le plus de dégâts, hein, ça paraît pas mal. Let me get in touch with me, unless if you'll be able to do a level sur les boss giveaway. Ah, classe! Excellent! Oh, génial! Super ça! Super! Hein. Ah, le 27, ouais. Le 27 c'est raté quoi. Mais c'est cool ça qu'ils vous envoient des codes et tout, excellent. Donc chips, option je crois que j'étais déjà allé, il n'y avait rien de spécial à faire, ouais, voilà. Si les touches, donc move, target. Donc apparemment le jeu en fait on va pouvoir tirer partout autour du vaisseau quoi. Ah, tu m'étonnes, t'es content quoi. Donc il y a plusieurs armes différentes apparemment. Weapon Fusion, Wave, Double Widow et Laser. Dodge avec gâchette, Rush Shield, Mega Weapon, ouais. Bon après j'espère qu'il y a un tuto pour expliquer tout ça. On verra. Ouais, c'est clair qu'être pote avec traducteur, c'est plutôt pas mal. Hein. C'est plutôt pas mal apparemment. Et yep, reste rien, je sais pas si je lui dis bonjour. Enfin bon, de toute façon, le reste, on discute la journée ensemble, donc c'est pas un vrai bonjour, même. Alors, ça donne quoi ce petit jeu? Mais en tout cas, c'est cool qu'il vous envoie des codes. Hein. Bon, on fait comme on a dit, tu m'en réserves. Tu m'en mets sous le coude. Donc j'ai plus d'argent dans ma boîte mail que dans mon compte en banque actuellement. Ok. Oui, non, mais... Ah mais non, mais qu'est-ce que... Qu
Ok, donc là, avec la petite gâchette, hein, ça permet de... Ouais, ça permet quand même de passer des grosses distances, hein. Ah ok, j'ai que le rouge et vert pour l'instant. Merde, regarde pas. Ok, dégâts weapon. D'accord, quand on se fait toucher, on se... Donc quand on se fait toucher, on se transforme en plus de feu, quoi. Y'a quoi avec fusion? Ah. Ah ouais, mais non, mais en fait, je crois que je joue à la souris en fait, hein. Ah mais non, je joue à la souris, il y a des touches à la con. Ah, ça me fait bizarre, parce qu'en fait, il y a... ouais, c'est... Et comment il y a le trafic du côté PE? Je prends, ouais. La mercredi soir était sûre de gagner comme les autres, mais vu le nombre de codes que j'ai, t'as toutes tes chances. Bah, j'avoue que si t'as 20 codes et qu'il y a 60 personnes, c'est pas mal, c'est une chance sur 3 quand. Putain, je fais quoi? Mercredi, je stream quoi mercredi prochain? Ah non, mais mercredi prochain, je suis au sport, j'en rentrais tard. Genre. Pas ce que c'est le rushield de la... Ah si, il fallait que je le fasse sur l'ennemi en fait. Mais je connais pas tout ce que j'ai besoin, j'ai même pas compris ce que c'était le rushield de là. Un fall giveaway à la fin, enfin sûrement une partie à la fin, donc vers minuit. En même temps, tu gagnes tout en ce moment sur les chans, donc c'est bon. T'es peinard toi, reste. Ouais, du coup, mercredi prochain, bah je sais pas trop à quelle heure je vais rentrer, donc bah d'ailleurs, le planning de la semaine prochaine, je vais changer parce que j'ai chopé Barbarian. Et c'est un jeu que je streamais depuis super longtemps et on a récupéré un code, donc j'ai testé ça, quoi. C'est un jeu en dev, là, pas de déconne. Non, non, c'était le tuto. Et du coup, ouais, donc le mercredi prochain, en fait, on fait un échange avec un autre club de combat, et du coup, on va chez eux. Et c'est de 7h30 à 9h, mais à mon avis, on va sûrement déborder un peu. Il y a une demi-heure de route, donc je crois que la semaine prochaine, le mercredi, il va sauter en fait. Enfin, bon, en tout cas, je vais sûrement rentrer un peu tard. Hein. Gagner en sub chez Amiral Adbou, enfin, Amiral Barou, pardon. Les chargements, ils sont super longs par contre. Mais en plus, il me chargeait le... Ah oui, donc voilà. Donc là, en gros, on va pouvoir, avec la thune qu'on a récupérée apparemment,
On va pouvoir upgrade le vaisseau en fait. Pour voilà, pour justement des dégâts plus puissants, enfin des armes plus puissantes. Bon, pour l'instant j'ai pas de thunes, hein, donc j'ai zéro crédit, donc on va pas upgrade grand chose. Et sachant que pour l'instant apparemment j'ai que les deux armes là en fait, j'ai que la fusion et la double widow. Et il y a PVA qu'on peut avoir, et défense ou attaque en fait. D'accord. Bon, on va plutôt mettre attaque parce que défense, je sais pas si ça fait méga power. Donc là pour l'instant j'ai le laser, on peut débloquer Fire et Rage par la suite. Ok. Allez, du coup j'ai deux rangs en fusion et un rang à double vidéo. Et un truc un peu bizarre en fait, c'est que le tir et l'automatique en gros, on sélectionne juste le pouvoir qu'on va utiliser, enfin l'arme qu'on va utiliser, et ça tire en permanence vers la cible en fait. C'est assez bizarre. Travailler le sabre double échec sur 1000, ouais. Il arrive aussi pendant les Worlds de LoL. J'étais sur le stream d'Elise pour dormir en soi, bah ouais, j'étais sub. Ah, c'est, t'as réussi à calculer les trucs, c'est cool. Je vous avoue que ça me perturbe de pas cliquer de partout pour tirer. Je pensais qu'on pouvait taper dessus, mais voilà. Ça me fait bizarre, le fait de pas tirer, j'ai l'impression de pas jouer en fait. Oh là, merde! Ah merde.
Analyse des... Alors, c'est dur de français. Miniature de la map est un peu fuck up sur les lumières parce que le jeu... Ouais. D'ailleurs, quand tu calcules des moments, il faut lumière ultra bright pour aucune raison, mais ça c'est pas très gênant. Ouais, bah, c'est que la miniature, c'est pas bien grave quoi. LOL, c'est League of Legends. Pendant la coupe du... Enfin, t'es pendant les Worlds de League of Legends, en fait, c'est ce qu'il dit. Alors. Donc du coup, j'ai tué 94% des trucs, c'est cool. Pam pam pam. Par contre, alors j'ai combien? Ouais, j'ai 461 000. Donc à 461 000, je ne peux rien faire. Hein, on est d'accord. Play well, full shield reward. Ok. Ouais, bah, très bien. Mais le payback attaque, je l'ai pas vraiment vu, hein, lâche. C'est pas compatible, analyse. Ah, vilain troll. Hein. Defeat Von Kaiser, ok. Ouah! Ok, donc là je. Merde! Faut vraiment que je pense à Flip quand il... C'est super dur de voir comment ça retouche ou pas. Putain. Mais c'est quoi mon autre arme, bordel? Pourquoi j'ai plus le vert? C'est quoi ce bordel? Ah, tant pis. Hein. S'il te plaît, quoi. Bon, c'était facile hein, parce que. Tu as fait rire avec ton titre bestiaux, genre maintenant ça se moque de Wilson alors qu'ils sont en mention, plus pitié. Ah, ils sont pas vraiment en mention là. Enfin, je crois pas. Peut-être. Ouais, c'est pas grave. Et du coup, justement, j'étais à Keras et je lui dis pour le fun, je mettrais bien RT, je mettrais bien RT à Taz. Il me dit, bah vas-y. Ouais, t'as raison, allez. J'ai même pas envie de se montrer, j'étais sérieux. Après, le truc qui me vient avec Analyse, c'est la finance et le programmeur en second, et ça se dit plus trop. Genre, tu peux pas aller au Yémen parce que t'es analyste financier. Ah bah non, c'est vrai que t'as pas les pubs. Hein. T'as esquivé cette pub Amazon Prime. Hein. Ouais, non, mais si, bof, ouais, si, il est bien analyste pour tout ce qui est game et tout. Chez Wilson, t'as inventé programmeur analyste. Un peu, mais bon, je pense que personne peut faire le rapport entre notre gars et Montréal sans le savoir. Ouais, bah après, puis en même temps, après, j'ai eu, j'avais un petit peu, enfin, pas un peu, un peu d'air mort, oui et non, parce que en même temps, je veux dire, vu qu'ils t'ont même pas répondu pour dire non. La moindre des choses, c'était au moins de te répondre, quoi. Enfin, toi, ils te demandent un document, ils te répondent pas après, c'est... Je veux dire, j'ai pas la peine de prendre des cons non plus pour les citer eux sur Twitter, quoi. Et a priori, à partir du moment où ils ont pas de savoir-vivre, bah, c'est pas grave, quoi. Et en vrai, on va jamais pouvoir level up, hein, parce que là, je suis qu'à 661 000 crédits.
Le moindre truc, il est à 1 million, score quoi. Je pense qu'ils ont pas osé me dire oui, j'étais trop impressionné. Ouais, c'est fait de ça. Hein. Je pense que c'est la barbe. Enfin, c'est la barbe ou carrément le tour complet de pilosité. Ben ouais, mais qu'est-ce que je fasse? Ouais, on continue. Et du coup, là, je suis allé IRL, c'est pire avec 1m80, 57 kg, les gens, je trouve. J'ai fait le rapport avec le message de bestiaux. Ou leur solde. Ouais, bah t'as fait les rapports, parce que tu sais qu'un Asgard c'est ton ordinateur. Si tu le sais pas. Et qu'est-ce que je veux dire? Ouais. Ouais, du coup, je suis allé mater là. Elle était bien cool la mission là de PO. Ah non, en fait je crois qu'il n'y a que l'arme rouge qui a des tirs en profondeur là. Eh merde. La lisibilité de ce jeu elle est pas ouf hein, quand même. Oh l'enfoiré, j'avais pas vu. Je suis où là? Mais je sais pas à quoi ça correspond là, à côté de fusion. Oh merde. Ah bon bah. Je pense que c'est vraiment une idée pourrie quand que quand tu meurs, tu te transformes en boule de feu. Là. Et puis... Bon, pour l'instant, je suis vraiment pas convaincu. Et même la vie, que je vous avoue que... Dans le genre musique entraînante pour du chemin, ça peut être un... Après, la vie qui est pas forcément mauvaise, mais je trouve qu'elle va juste pas avec le jeu, quoi.
Attendez, c'est du coup j'ai raté les trucs. J'ai deviné qu'il avait fait un CV. Quand en commission de PoE Play, j'ai trouvé bien aussi. Non, franchement, c'était cool quand. Franchement, c'était pas mal parce que. Puis comme tu disais en fait hier, c'est vrai que vous aviez plusieurs profils différents, donc c'était pas mal quoi. Bon, toi, t'as le profil un peu artiste comme ça. Et après, ouais, il y a Furious qui a fait plein de rerolls, il y a Blazing qui fait des builds improbables. Et puis il y avait Obsolete qui est une machine de guerre, effectivement. Je le connaissais pas du tout, mais mon dieu quoi. La brute. Mettre ça en miniature pour répondre à Bex. Qu'est-ce que tu vas marquer? Qu'est-ce que tu vas mettre? Ah, mais du coup, c'est Bex qui t'a envoyé le message. Et tu sais que si t'as le mail de Bex, tu peux leur vendre quoi, du pognon à Hot Dog. Hein. Ils mettent bestiaux blind. Qu'Amazon aura acheté Steam. Ah, je suis pas sûr qu'il puisse le faire quoi. Un peu artiste, je me suis jamais senti le sujet. Ah, il t'appelle l'artiste. Hein. L'artiste ou le blaireau, enfin pas tout à fait le blaireau, mais. Ouais, ça, le bureau, mais c'est chaud quoi. Ah, t'as pas le mail perso, ah zut. Et je pouvais presque acheter des trucs, dis donc. Mais ce que je comprends pas, c'est. Si je baille ça, ça va sûrement monter. Et par contre, moi, je sais pas ce que c'est la petite barre rouge à gauche des fusions là. J'arrive pas trop à. Bon, voilà. Ah merde, on a dit que tu voulais. Il fallait modifier les effets, enfin baisser les effets. C'était ça, hein, les effets, c'était un peu trop fort. Hein. Allô? Hop là. Tac. Ah, c'est le boss. Alors, front ennemi, re-shield. Ok. Alors, question. À quel moment c'est une bonne idée de mettre des projectiles blancs avec un halo bleu ciel sur du blanc? La question est posée. J'ai pas encore son mail perso et son 06, j'y travaille. Fais gaffe, hein, ça te coûtait du blé quand t'appelles en Nouvelle-Zélande. Eh merde. Même si en vrai je reste dans la bande rouge en bas, parce que sinon tu vois vraiment rien encore. Ah mais là il fait d'accord. Quoi? C'est quoi ça? Okay. Non, je vais te re-shield, alors je sais pas du tout comment ça marche. Ah bordel.
Donc là, ça fait remonter ma vie, hein, a priori. Non, mais sans déconner, la couleur des projectiles, c'est juste pas possible, quoi. Et après, on a fait chier Drifting Land parce que c'était soi-disant pas assez lisible, quoi. Pas score. Hein. Ouais, c'est bon. Stop, stop. Oui. Moi j'avais dit que je sentais mal le jeu. Eh bien. Que je confirme avec des musiques au pif, bah ouais, c'est ça quoi. En soi, elles sont pas désagréables les musiques, mais ah, le blanc sur blanc, il est juste infâme quoi. Alors, effectivement, il y a un petit halo bleu ciel, hein, mais ou même bleu ciel lumineux sur du blanc. Hein. D'ailleurs, en parlant de lumineux. ma caisse de Trackmania, je l'ai pas essayé en jeu en fait, je l'ai essayé juste dans l'éditeur. Et dans l'éditeur, ça allait quoi. Mais en jeu, quand tu freines, ça. C'est le soleil quoi. T'as avoir des lignes de soleil, sinon tu te brûles de la rétine quoi. Et le bruit de mille feux quoi. Donc faut que je vois pour baisser un peu l'intensité de la lumière parce que. Vous savez quoi, tu freines une fois, c'est bon, t'es aveugle pendant 10 minutes quoi. Alors, je peux débloquer de nouvelles armes. Non, le truc c'est est-ce que vraiment tu es encore plus pixelisé ouais. Alors est-ce que le truc c'est qu'en plus les trucs là j'ai jamais pu les tester quoi. Et ce que j'aime bien aussi c'est le petit bail pour celui-là alors que j'ai pas la thune quoi. C'est ça fait toujours plaisir. Hein. Ah j'ai fire maintenant avec du laser. Mais le laser, il est cool quand même. Mais est-ce que ça vaut le coup que j'achète ça? Si j'achète ça, ça me fait quoi? Ça me fait monter juste en plus en fusion, j'imagine. Après, fusion, ça fait le taf, quoi, mais... Peut-être t'auras un pré ou une micro-transaction, ouais. Non. Ok. Bon bah. Non mais je sens qu'il a bien. Ah purée, donc après les tirs blancs sur blanc, maintenant c'est mon curseur de visée qui est rouge sur rouge. Sauf là, là vous voyez, là, le curseur il est blanc, donc on le voit bien. Et là, ah bah là il est rouge sur un fond rouge. Hein. Voilà, on est bien là. On est complètement bien. Ah oui, quand on est en défense, d'accord, ça fait un petit bouclier quand on se fait toucher. Bah limite j'aime autant parce que au moins
au moins je vois où je suis quoi. J'ai pas une boule enflammée qui rebondit dans tous les sens quoi. Faut que tu fasses la nouvelle arme aussi. Ah ok, donc la nouvelle arme c'est un gros lance-flamme, cool. Pas mal. Vincent, j'en ai eu dans le double. Attends, tu veux qu'il fasse quoi? Mon papier a bien appris de jamais mélanger rouge sur blanc, tout fout le coup. La technique de pelotron pour faire croire que tu vas pas être malade le lendemain, quoi. Ah, j'étais malade parce que j'ai bu un verre de blanc avant. Ah ouais? Après, t'as quand même bu 2 litres de rouge. Ah, mais non, mais c'est le verre de blanc, là, ça. Il est pas passé. Eh merde. Bah, là, je trouve que la Zik elle est plus dans le thème, mais elle est toujours pas trop punchy quoi. Eh merde. Retour des gros ennemis. Je sais pas du tout combien il y a d'ennemis. Enfin quoi, je me demande si j'avais pas lu une vingtaine de boss sur la fiche Steam. Ça, j'aime pas le rouge, même si à un certain point je suis plus trop difficile. Ah bah, je pense que c'est voilà pour tout le monde ça. Moi j'aime bien le laser en fait. Ouais, ça me perturbe hein, ces trucs bail alors qu'on peut pas là. C'est. Et du coup, on arrive au boss, c'est ça? Mais par contre, là. Ouais. Ça incite vraiment pas à changer d'arme en fait quand. Ah. Ok. Wow, wow. Wow.
Voilà, elle est déjà plus sympa la musique. Oh, sérieusement. Bon, même si elle manque encore, enfin, voilà, ça va rien prendre. Après, ça paraît, j'aime bien le fait de péter les boss partie par partie, là, c'est cool. Ça. Tiens, un gros rayon en tamouille. C'est vrai que j'aimerais rien faire sur la communauté, j'arrive à avoir des codes avec ma collaboration. Imagine ce qu'aura Stanisius. Ah bah Stanisius, il donne tout ce qu'il a en plus, Stanisius quand même. Stanisius, il poste déjà tous les articles de PatchNat, hein, donc il copie-colle ce qui est traduit par les traducteurs officiels, donc ça c'est quand même cool. D'ailleurs, t'es allé voir sur le site le dernier post qu'il a mis? Donc c'est lui qui répond en premier, après un autre mec qui dit oh putain super taf et tout, et là il répond lol j'ai juste copié-collé le truc officiel ou un truc du genre quoi. Ça m'a beaucoup fait rire. Oh j'ai plein de pognon! Alors je sais pas pourquoi d'un coup je passe à 2 millions, alors que juste avant j'avais 200 000. Je viens de gagner 2 millions gratos. Et bah c'est bien. Mais après le truc que je me dis c'est est-ce que je vais débloquer les armes ou pas? Parce que finalement fusion ça fait complètement le taf quoi. Donc je vais les prendre voilà, pour voir ce que ça donne, mais en vrai. Allez on va continuer. Hein. Stanisius. Mais bon après c'est quand même pas mal quoi, au moins il a avoué que c'était pas lui qui l'avait fait quoi, c'est toujours ça. Il a pas fait genre merci merci pour les félicitations quoi. Eh mais ils ont mis de la musique qui bouge hein. Ah mince. Les trucs cool aussi à faire sur un shmup, hein, c'est ça. C'est les ennemis qui arrivent par le bord de l'écran sans être signalés. Est-ce qu'il vous garantit des esquives au pif? Ça fait toujours plaisir. Voilà. Ou alors je vais mettre comme ça en espérant que ça pète tout le monde. Ouais, mais ça pète que dalle. Hein. Ouais. Ouais, je vais me mettre là, puis on va essayer de les tuer. Si a priori, au moins les ennemis ils arrivent pas par derrière, donc.
Bah après c'est quand même plutôt cool de pouvoir tirer partout autour du vaisseau mais... Oh merde. Ça je vais faire, ça va. Oh. Il est bien comme les fonds rouges avec le curseur rouge en avant. Pas de paiement. Je partais sur son site, j'avoue que j'ai pas trop envie. Pour un marché, je m'en fiche, c'est triste. J'ai la rage maintenant. Ouais, bah c'est un peu l'ennui comme le jeu pour l'instant. Je sais pas. Voilà. Le baron rouge. Oh. Je m'attendais pas à ça. Hein. Ah, puis le laser il cancelle pas les boulettes, donc du coup quand il y a le laser bah vous voyez pas les boulettes qui vous arrivent dessus. C'est bon ça. Après les trucs intéressants, hein, franchement le coup d'esquive c'est rigolo quoi mais... Ah si, apparemment je suis invincible quand je suis en laser.
Non, c'est pas ça que je vais faire. Bah, je suis content de pas l'avoir payé 30 euros. Mais j'ai dit que je le sentais mal. Something is wrong. We lost our deck for weapons. Ah. I managed to keep Ishio deck weapon. Be careful, something huge is coming. Ah, il a recoupé celui-là. He's right. His ammo is too thick. We need to buy time. And hope he runs out of power. Allez, un peu de sur... Ah, d'accord. Donc là, faut survivre avec 5 minutes. Après ils ont essayé de faire un... Merde. Après ils ont essayé de faire un truc différent. Après ça peut peut-être plaire à des gens, j'en sais mais... Il y a moyen de regarder un peu de points de vie là quand même ou Putain mais... C'est pas dingue qui sort de nulle part quoi. Voilà.
Mais... Je suis pas allé voir ce que les gens en disaient sur Steam de ce jeu-là. Ouais, 10 secondes. Est-ce que j'ai pas ce qu'on comme une araignée? C'est vrai qu'il fallait demander à Olivier. Aucune évaluation utilisateur, ah ouais. Aucune évaluation ou c'est parce que t'es en genre t'es en français ou un truc connu comme ça? Coup j'ai du pognon, 1 500 000. Ah, il y a vraiment rien quoi. C'est quoi? C'est huge ennemi. Ah ouais, effectivement, aucune évaluation utilisateur. Pouah. Ah mais c'est Plugin Digital qui édite ça? Ah bah ils vont être tristes chez Plugin Digital quoi. Mais du coup, c'est qui Huge Enemy Production hein? Ça veut dire qu'il y a eu 3 abus de machin là. Mais chut, arrêtez! Mais putain! Mais tais-toi! Oh, le site officiel avec le. Bah non, ils sont forcément pas français vu qu'il n'y a pas de français dans les langues, c'est bon. Contact, ils sont d'où ceux qui font ça? C'est pas trop. C'était Greenlight en 6 jours. On voit un peu la... On voit un petit peu la différence entre le Greenlight et la vraie décision des gens de d'acheter. Mais t'as eu 3 évaluations, dont 2 gratuites, d'accord. Attends, qu'est-ce qu'ils disent du coup alors? Nanana. Alors, New Game Style, tapapam, one of the most polished des shooter games. Ouais. Ouais. New gameplay mécanique, ouais, mais je suis pas convaincu. 4 années de dur travail. Ouais, bah les mecs. Huge Mega Boss, ouais, Kill Front and Death Enemies, ouais, Dodge Bullet. Pinpoint anything on screen using your viewfinder. Ouais. Play and replay as many times you want, any level you have unlocked. Wow. Collect Blood Money and upgrade your ship. Become stronger.
Ouais. Et ben. Du coup, donc une autre one review, ouais. Ouais. Ah, c'est vrai que c'est dur hein, quand même. Hein. Aucune review, personne sur le forum. Dur, dur, dur. Pour les streamers, l'arme 4 du jeu à pleine puissance génère une chute de FPS si vous utilisez OBS. Changez d'arme et le problème est résolu. C'est énorme ça. C'est énorme. Ils ont mis ça le 10 septembre, apparemment ils en ont pas reparlé donc. Donc a priori l'arme 4 à pleine puissante, voilà, faut changer d'arme quoi. Ouais, sûrement, ils ont dû. Puis il y a un autre problème avec le leaderboard et ils ont pas reparlé non plus, donc apparemment entre Steam et le leaderboard, ça merde. Hein. En gros le corps s'affiche pas, mais ouais. Il y a pas mal de jeux comme ça qui ont des problèmes avec OBS. Ouais, c'est vrai que tout ce qui est stream, c'est vrai que ça fait vite perdre des FPS. Hein. Bah, j'ai vu par exemple dans Hitler's Bido, quand j'affiche la minimap, ça met vite une tarte au FPS quoi. Alors après, je suis pas sûr que ce soit vraiment un bug ou soit juste que la minimap elle bouffe pas mal de ressources et qu'en stream du coup ça. Bah, on va quand même la tester l'arme 4 quoi, la laser. Alors, est-ce que je peux... Mais c'est pas du tout un laser, ça. Mais... Ah non, laser, c'est ça. Ouais, mais bon, on ressent comme ça, hein, pas... Ah, sinon, j'ai un bug maintenant, mon vaisseau il repart toujours à gauche, en fait. Au début, j'ai cru que c'était le boss qui faisait ça, et en fait, pas du tout. À moins qu'il y ait du vent dans cette zone, mais... Et ça, faut faire quoi? Faut les casser ou... Ah non, c'est... Ouais, c'est un jeu, je sais pas si c'est fait exprès ou pas, mais. Non, c'est pas ce que j'ai, c'est parce que habitué à la qualité discutable. Et du coup, quand on meurt, il se passe quoi?
Voilà, Game Over, ok. Et Select. Oh, les temps de chargement, ils sont... Franchement, ça me fait de la peine pour eux, hein, parce qu'ils ont bossé 4 ans dessus, puis on sent qu'ils ont envie de bien faire, hein, parce que le jeu, graphiquement, il est pas mal, etc., quoi, mais le gameplay, c'est pas possible, quoi. Ah ouais, en plus, je suis pas très loin dans le jeu, finalement. Enfin, j'ai fait quoi? J'ai fait ça, 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 donc ouais, je suis arrivé là. Après, je sais pas jusqu'où ça descend en bas, quoi, mais... Ah, succès. Avatar. Ah, mais d'accord, en fait, c'est avec les succès, j'ai récupéré du pognon. J'ai récupéré un avatar plus 150 000, là. Avatar plus 250 000. D'accord, ok, c'est pour ça que d'un coup j'ai plein de pognon tout à l'heure, je comprenais pas. Ok, débloqué 9 sur 19, très bien. Et c'est quoi MS Mode? Ah, c'est Money Survival en fait, d'accord, très bien. Et score, c'est quoi? C'est du time attack. Ah, je suis déjà 9ème. Hein. Ah, ouais, donc il y a vraiment personne en fait qui a acheté le jeu quoi. Parce que je comprends pas ce qu'ils avaient marqué. Qui est en mode speedrun apparemment, mais peut-être qu'il se débloque par la suite, je sais pas quoi. Et pourquoi ceux-là sont en rouge et ceux-là sont en noir? Et du coup, c'est quoi OST? Ah non mais OST c'est peut-être Ah ouais non c'est en... Ok en fait j'ai lu OST mais en fait c'est juste plutôt le niveau quoi. Genre il y a toujours un niveau de mob et après niveau de boss et machin quoi. Je pense que c'est plus ça le délire quoi. Genre là il y a qu'un seul niveau parce qu'il y a que l'araignée quoi. Je pense. Et du coup est-ce que mon vaisseau va être encore projeté à gauche ou pas? En fait, le truc, c'est que je sais pas si c'est fait exprès ou pas, en fait. Si c'est fait exprès, c'est super chiant. Et si c'est pas fait exprès, bah faut que je vois comment faire pour revenir en normal. Ok, donc il me remet là, comme si j'avais rien fait, en fait. Ok, comme si j'avais pas acheté le laser et tout. Et bah très bien. Et donc il me remet à ma dernière sauvegarde, en fait. Ah donc c'est bien ça, j'avais bien... Merde. Ah bah ça commence fort. Donc j'avais bien un bug en fait qui faisait que mon vaisseau faisait n'importe quoi. Parce que là mon vaisseau il va bien, hein, il part pas vers l'arrière. Alors, je sais pas du tout ce qui a fait que d'un coup il a fait de la merde même. Mais je pense que je vais pas tarder à arrêter parce que... Mais quoi, pourquoi ça m'a touché là? Parce que c'est quand même pas terrible hein. Merde.
Après, c'est vraiment con, parce que franchement, tout est pas acheté, hein, loin de là, hein, mais... Ah, mais d'accord, en fait, si on touche le... Ok. Allez, cassez-vous. Ouais, c'est saoulé. Eh merde. Et ils sont méga relous. Hein. J'ai pas trop voulu utiliser mon laser pour économiser, mais j'aurais peut-être dû. Suite, hein. Oui. Les boss sont cool quand même, ils sont vraiment... Oula. Oui, tu peux tirer s'il te plaît? Merci. Ah, franchement, les boss ils sont réussis quand même. Merde, je me suis bourré de touche. Ah, tant pis. Et là, pour le coup, la ZIC, ça va quand même beaucoup mieux, quand même.
pas s'embêter à faire un petit coup de laser hein, le temps que ça se passe. Hein. Là normalement prochain patin devrait avoir moyen de le fumer. Voilà. Elles sont cool aussi ces emotes. We have lost all firing abilities. Avoid all obstacles at all cost. Ah, encore de la sauvegarde. Bien. Je crois que ça lui a pas plu au jeu qu'on dise qu'il était pas assez péchu au début le son quoi. Ouais, c'est plusieurs stages que ça énerve bien là. Ça, c'est plutôt cool comme qu'ils aient essayé de changer les gameplay comme ça. Ah mais tout le monde aime bien les pandas. Après c'est une bonne idée mais peut-être pas non plus que ça dure 3 heures quoi. J'aime assez de parler de rôle.
Bah on dirait bien en tout cas. Oh. Oh mais non. Ah, purée, en plus je rate le shield. C'est pas bon ça. Voilà, je vous avoue que c'est, j'en ai marre du niveau. Ah, ça c'est une bonne idée, mais faut pas non plus en abuser quoi. Mais non. Monsieur DMX, comme il est, il est chiant comme ça, il a un bad friend action. Sans côté que c'est un horaire à la con, non, chez eux. Ils sont quoi? Ils sont en plus. Ah, du coup, ça va être vraiment très tôt le matin chez elle. Il doit être genre à plus 7 ou plus 8 heures, non? Ah, mais c'est à plus 12! Ah ouais, donc non, du coup, ça fait... Ah, ils sont en plus! Moins 12 plus 12, ah, ça va, un jour près, c'est bon. Ouais, bah ouais, c'est super. Bah écoutez, on va acheter deux lasers. Si on est comme ça, non? Comme ça, on peut faire piou-piou. Attends, je comprends pas. Pourquoi je peux l'acheter une fois et pas deux? Qu'est-ce que c'est que cette arnaque? Non, mais sans déconner, mais il est complètement buggé le jeu. Et là, les upgrades, c'est quoi? On peut faire les trucs là ou pas? Ça c'est quoi? Y a rien? Ça, en fait, là on a l'impression qu'on peut faire des trucs, mais en fait non. Bon bah je sais pas pourquoi. Plus de zone d'hiver, plus 10 en été. D'accord. Ah donc finalement, ouais, c'est vrai que le stream ça tombe le matin, donc peut-être jouable. Hein. Prevent the death of 36.3% of our friends.
Mec, moi aussi j'ai un gros rayon, qu'est-ce que tu veux? Ouais, bon, le changement d'arme là, t'alerte complètement. Bon, on va faire la technique de type de jeu pour comme un âme et puis ce sera pas mal à mon avis. Propre. Je regarde ici, changement d'heure là-bas, et forcément, je change pas dans le même sens. Voilà, ce serait trop simple sinon. Mais c'est que c'est rigolo. Bah, déjà, je savais pas qu'il changeait d'heure, et puis effectivement, je pensais même pas qu'il y avait des gens qui changeaient d'heure, mais pas dans le même sens, quoi, du coup. Ouais. Fait 8h10, fait pas 9 avec la Californie, ouais. Et du coup là je peux à nouveau buy, ouais non parce qu'en fait le jeu est pas prévu pour pouvoir buy deux fois c'était assez de thunes quoi. Ouais c'est quand même vraiment mal, il y a quand même des gros problèmes dans le code. Hein. C'est ça sur le truc qui devrait pas arriver quand même. Hein. Allez, et sur le laverne. Oh alors ça je pense que pour le stream c'est pas mal ça le. Je pense que la pluie. Je pense que la pluie y a pas mieux pour le stream. Je suis un peu embêté. D'un côté, j'aurais envie de le terminer le jeu, mais. D'un autre côté, c'est un peu l'ennui quoi. Et là c'est pareil, on passe côté dans les nuages, on voit rien quoi. Ah mais d'accord, je peux pas passer à travers le caméra. Ouais du coup j'ai complètement pété en pouvoir dans le vent. Le truc, c'est je crois qu'il reste encore pas le niveau en fait. Jamais quand l'épisode pillé change d'horaire. Bah déjà nous quand on change d'horaire c'est un coup à se gourer alors savoir pour les autres en plus. Et en plus, ouais, y a les pays qui changent pas. Mais d'ailleurs, je crois que c'est en France, et c'est même pas sûr qu'on va continuer à changer d'air, je crois. Je me demande si c'est pas ce que ma collègue elle m'a dit il y a pas longtemps, là, que du coup, on allait peut-être arrêter de changer d'air. Hein. C'est en train de réfléchir à ça.
Mais que du coup, ils savaient pas encore si on allait garder l'arc qu'on a actuellement ou si on allait rechanger ou pas. Ah mais d'accord, il y a un ennemi qui est dans le... qui est sous le nuage derrière en fait, enfin en bas. Parce que pourquoi pas. Alors le laser il est vraiment très bien, hein, mais pour l'instant il est pas assez... il est pas assez level up en fait les meufs. Hein. Mais ça dans l'absolu apparemment le laser ça a l'air fort quoi. Il faut encore que je mette deux niveaux dedans. Donc c'est un heure qui restreint le GMT plus 1, d'accord. Defeat the Twins. Ah. Alors ça dans les jeux vidéo, quand il y a des doubles, c'est toujours un bon moment d'angoisse. Bon, on profite tout à l'heure sur l'autre hein, pour pour les pâtés à la joie à la belle humeur. Elle est bientôt mort. Ah merde. En tout cas, les musiques, c'est quand même beaucoup mieux. Hein. Elle est quand même plus péchu, mais les cuivres me manquent. C'est exactement ce que je disais, tu vois. Très bien perso parce qu'en hiver la nuit si tôt à sac en ce moment c'est ouais. C'est un peu la déprime hein. La déprime ouais, c'est quand tu pars au boulot qu'il fait nuit que tu reviens il fait nuit t'as un peu l'impression de perdre tes journées quoi.
je peux pas encore level up mon laser. Ah, mais je suis presque à fond. Là. Ah, mais encore un boss! Mais je me demande s'il parlait pas d'une vingtaine de boss sur la fiche. Vous pouvez aller voir la fiche sur Steam? Il me semble que j'ai lu ça en fait. We are sorry, but we need to defend everyone else. Survival is our only chance. Ah mais il faut survivre là, ok. Minutes, ça va être long. Ça va être long. Quatorze boss. Ok. Bon, je sais plus tout à comment j'en suis là. On a déjà pété pas mal comme des boss. Hein. Oh ouais. Ah bah oui, mais je pouvais les péter en fait. Hein. J'étais pas obligé d'être comme un con. Contre-SR et parfait les traducteurs sur la base. Bah y a pas de trad SR sur le jeu. D'ailleurs ça me bizarre qu'il y ait pas de... qu'il y ait pas de trad SR, c'est plugin digital qui le distribue donc Le game digital, si je dis pas de conneries, c'est français quoi. Ah ouais, je sais bien, j'ai bien compris que c'était la page Steam qui était traduite à... Ouais. Et elle est pas aussi ça. Moi ça me va, ça me fait toucher, mais le temps que la bulle elle dépop, j'ai le temps de régène, donc c'est tout bien. Est-ce qu'il est dodge pour éviter les tirs et les ennemis? Ouais, je sais pas comment on en met là, tu vois. Dizaine, je dirais. En fait, je dis ça, c'est pour savoir si je termine le jeu ou pas, mais le truc, si je termine pas ce soir, en vrai, je pense que j'aurais jamais envie de le terminer un autre jour. En fait. Ah, mais moi, je me lève un peu plus tard, en fait. Hein. Ouais. Du coup, ça se sent peut-être. Il y a encore 2 minutes, j'ai fini.
Finalement, ce boss il est tout pourri en fait. Hein. Ah, je vois que j'ai ma fenêtre Team qui clignote. C'est qu'à mon avis, Cam il a dû acheter Artifact. Hein. Il a fini par céder. Ouais, à la base, Artifact, j'étais chaud, puis. Et puis j'ai vu le modèle. J'ai vu le modèle. Économique et j'ai dit bah non. Puis après, pour avoir battu un peu des matchs d'artefacts, c'est. C'est pas super palpitant en fait. Quoi. Je sais vraiment pas si le jeu il fonctionnera. Quoi. Parce que ça a beau être Valve. J'ai pas trouvé ça foufou à regarder donc. Mais bon, sur le gamble elle est trop pauvre en ce moment, ouais. Matt, j'ai essayé de m'attendre un petit peu là, les premiers tournois qu'il y a eu et je trouve ça assez chiant à regarder en fait. Hein. Puis il y a trop de cartes, trop de trucs en même temps. Ah bah tiens, c'est bon. You have survived. T'as trop de choses à prendre en compte, du coup, c'est pas très plaisant en fait. Hein. Ok. Alors on en est où? Alors on est à loading. Hein. Mais c'est vrai qu'à la base t'as dit que t'avais gamble pour. Comment dire que je suis complètement sur ma fin. Non mais là le boss, le fight de finale il est nul à chier. Alors je me dis est-ce que c'est parce que c'est en easy que du coup on n'a pas la vraie fin? Parce que là en vrai si c'est ça la vraie, enfin, si c'est la vraie fin. C'est refin, c'est dur quand même quoi. Parce que là le dernier fight il est nul, il est vraiment zéro. Hein. Comme toujours c'est compliqué, première partie à regarder, après sérieux, même sans connaître les cartes, avant très bon intérêt. Non mais après je comprenais le principe du jeu, mais juste que. Ouais je sais pas. Bah déjà je trouve que le plateau il est pas sexy du tout l'artefact. Et puis il y a vite trop de cartes, trop de trucs sur le board en fait pour pouvoir suivre facilement quoi. Enfin... Ouais après voilà 30€ 10 heures, ça me choque pas plus que ça, mais après c'est le problème que là honnêtement le scoring et tout ça va être tellement random que. Ouais Darius il est super cher. Hein. Après par contre Darius il y a un. Il y a un contenu. Ah bah tiens, c'est pas fini en fait. Ah, donc j'ai cru que j'allais rejouer en fait, non. Ouais, Darius par contre, il y a un contenu qui est vraiment phénoménal quoi, hein, mais. Après, Darius avec les zics de Zuntata, c'est pareil, c'est. C'est un peu l'angoisse audio quoi. C'était sympa d'ailleurs le parole de duo, l'épisode des Démons du Midi d'aujourd'hui. Hein. J'aimais bien le concept d'essayer de reprendre les premiers morceaux des compositeurs. Hein. Bah, après là ça me choque dans le sens où à 30 boules ils vont avoir du mal à se positionner quoi, parce qu'honnêtement du shmup c'est chaud. No spoil putain, mais j'ai rien dit. Enfin j'ai juste dit le thème de l'émission, ça va.
c'est le premier truc qu'ils disent dans le podcast en plus, donc ça. Ah ouais, vous voyez, comme... Non, ok, d'accord, c'est pas la vraie fin. C'est pas la vraie fin, je pense qu'il faut que je me mette en hard. Ah voilà, vous voyez, en hard, il y a des d'autres niveaux, donc c'est bon. Parce que j'allais dire, ouais, c'est pas possible, quoi. Si c'est une bonne promo à venir, ou à 75, on tire une bonne partie, ouais, je sais pas, quoi. Enfin, déjà, ils disent c'est l'heure des démons de midi avant, ouais. Donc voilà, bon, ça me rassure, voilà. Donc, en easy, la fin, elle est là. Par contre, si on joue en hard, hein, voilà, on peut continuer par là, quoi. Par contre, le fait d'avoir des niveaux qui sont sur fond rouge avec le marais et le curseur rouge, c'est vraiment naze, hein. Ouais, vous voyez, il y a quand même 1, 2, 3, 4, 5 niveaux en plus, sachant qu'à chaque fois, il y a au moins 2 stages, donc en vrai, là, ouais, j'ai fait 2 tiers du jeu, en fait, quoi. On va juste tester un niveau en hard, hein, pour voir, hein. Mais ça me paraissait quand même bizarre, ça coupe comme ça, parce qu'honnêtement, enfin, surtout le fight final était vraiment naze, quoi. Enfin, il y a eu des fights avant qui étaient vachement mieux, donc c'était pas possible, ça coupe cette façon. Mais ouais, mais le plus gros problème de ce jeu, vraiment, c'est la lisibilité, quoi. Enfin, on voit souvent rien de ce qui se passe à l'écran, et oh. Enfin, ça c'est horrible aussi dans les menus, le curseur est trop sensible. Ouais. Hop. Oh, mais du coup c'est directement un boss. Oh là! Ah mais c'est ça le boss en fait, pardon. Elle est cool la zip là. Quoi? Ah merde. Ouais, je suis pas bien là. Je suis pas bien du tout. Ouais, c'est là on... Elle sait de rien, mais c'est chaud.
Eh merde. Ah merde, à chaque fois j'arrive à régénérer un truc, je m'en fais toucher dans la foulée. Ouais, je vais mourir par contre. Ouais. Ah, chaud, 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 chaud quand même. Yomuchi. Ouais, c'est tendu du coup, hein. Sympa de pouvoir en sentir aller. Ouais, clairement. C'est vrai que si ça fait se retaper tout le jeu en hard, ça aurait été un peu relou. Ouais, j'en fais juste un essai et puis. Et puis voilà. Après, par contre, j'ai pas trop compris parce que dans le truc là, il propose d'acheter de la vie, mais. Vu que t'en files de la vie à chaque fois, je comprends pas trop l'idée en fait. Ou alors peut-être qu'en hard, du coup, il refile pas les points de vie à la fin de chaque niveau, peut-être que c'est ça. Oui, la vie qui coûte 900 000, mais j'ai jamais pu l'acheter, donc je comprends pas vraiment l'idée. Après, ça se trouve peut-être qu'en fait il y avait une arme là-dedans qui était vachement mieux pour contre les boulettes, genre les waves. Peut-être que c'est super fort contre les boulettes machin là. Bon, bah là j'ai pris l'autre donc du coup on pourrait jamais savoir, mais. Et peut-être que Rage c'est cool aussi. Ouais, c'est Rage, on verra bien. Hein. On verra bien. Ouais, en fait, on peut pas changer. Eh merde. Ah, sérieusement encore? Putain. En tout cas, la zig du boss, elle est vraiment cool, hein. Si c'est un PT2 à chaque fois, c'est pas mal comme idée. Ouais, ça doit régénérer un peu sur les prochains. Je sais pas si c'est un bon plan ou pas, mais. On va essayer. Eh merde. Mais putain, pourquoi elle me serait touchée là? Pardon. Je
crois que j'aurais dû continuer à bourrer en fait. Hein. Quoique. Je suis passé à 3 PV. Ah non. Ah mais si, je suis pas mal là. Allez, on rechange. On va bourrer un peu le bat, ça. Vous avez vu ça un peu, malin comme un singe, hein. Paf, la régène sur les trucs. Pour tempo. Ouais, il a plus que deux barres de vie là, enfin plus que deux carrés de vie. Ouais, ça passe. Mais par contre, à niveau difficulté, ça a plus rien à voir quand même. Merde, je me suis trompé de touche. Mais ça enchaîne directement avec un boss? Non. Ah ouais? Ah, oh, je peux régénérer pendant qu'il me parle. Vas-y, mais parle-moi, mec, parle-moi. Ah, puis oui, faut le tuer en plus, ok, très bien. Faut le tuer, du coup, on... Ok, très bien. Pas mal se passer, hein, je t'annonce. Ah ouais. Bon délire, les comètes qui tombent du ciel. Putain. Le plus triste dans tout ça, c'est que j'essaye de pas... De pas barrel roll parce que pendant tout le temps du barrel roll en fait ça régène pas. Mais ouais, voilà, par contre j'ai pris plein de tête. Ouais, on est en... Oh merde. Ok, alors des fois il y a vraiment des, problèmes de stick quand même. Genre là j'ai mon vaisseau qui était parti. Merde, bon bah je vais mourir. J'ai mon vaisseau qui était parti vers l'avant, j'y suis été vraiment pour rien.
Ah putain. Ouais, merde. En plus, il a plein de points de vie, hein, quand même. Il a vraiment, vraiment la blinde de points de vie, ce coin-là, quoi. Oh, je suis presque à la moitié, quoi. Merde. Eh merde. Je crois que j'ai en 16 spots là. Eh merde. Voilà, par contre, je suis pas bien. J'ai beau savoir qui va faire ça, à chaque fois je le prends comme plein de tête. Hein, c'est... Ah. Mais putain, pourquoi il bouge comme ça mon vaisseau des fois? Ça m'en fout. Hein. Des fois, tu sais pas trop pourquoi le vaisseau d'un coup il bouge de lui-même tout seul vers l'avant. Voilà. Ah, il crève. T'es où? J'étais par là, non? Prends les mains! Des zones foireuses, ouais, sûrement. Ouais, tu peux mettre le GG. Bon, en tout cas, il était cool, il était sympa ce niveau-là. Il était sympa. Bah non, mais je vais pas mettre la... S'il te plaît, quoi. Non mais en vrai ils l'ont pas testé quoi. Bon j'ai cherché à voir. Bah là y'a pas de skip, j'ai tout essayé, j'ai essayé entrée, barre de staff, échappe, start.
Ah merde, mais ça le bloque si je fais Alt-Tab, bon bah... Bon bah, pas d'Alt-Tab. Ouais, ils sont courts, vite fait quoi. Leur logo, il est cool, j'aime bien l'animation. Tu vois l'écrit d'un... Alors... si tu trolls sur les crédits, je veux dire, va voir les crédits de PoE. C'est les crédits de PoE. Genre, il y a une fois, j'ai cherché mon nom dedans dans les backers, et ben, t'es content d'avoir backé pas trop tard, hein, parce que sinon. Il y a Octavian dedans. Mais c'est quoi cette loose? Ça me l'a même pas débloqué? Le vrai nom de Creep, d'accord. Bah. Bah je sais pas comment les dialogues. Alors est-ce que c'est un autre mode que qu'ils ont pas encore implémenté? Ou juste pour faire style? C'est après, c'est vrai que d'un autre côté, là il était rouge, celui-là il était noir, hein, mais ça se trouve en fait ça a bugué, hein. Que du coup il me l'a pas validé, il m'a pas validé la fin. T'as vu qu'il m'a remis la fin du mode easy, ça se trouve ça a peut-être merdé en fait. C'est après les succès on peut pas les voir en plus je crois. Ouais voilà on peut juste voir les trucs mais on peut pas voir ce qui est. Ouais, je suis à 17 sur 19 donc ouais en plus je les ai. Ouais, c'est là je suis à 17 sur 19, mais en même temps, il y a des cases livides de partout, donc... Je pense qu'il y a effectivement rien, hein. Je pense que c'est du bluff. Hein. Du succès Steam, il y a quoi? Sweeper level 8, Sineke level 8, nanana. Level 9, 10. Attends, est-ce qu'il est caché le secret? Apparemment non. Kilorial level 11. Donc là, le plus loin, c'est level 11. Et moi, j'en ai quoi? J'en ai 4, 8, 12. Ok, d'accord. Ouais, mais 12 plus ouais, la training room elle y est pas quoi. Donc, ouais, non, je crois que là j'ai tout. Hein. A priori, le plus haut succès c'est Kill Uriel. Et du coup, est-ce que je l'ai Kill Uriel? Merde, j'y étais, succès. Kill Uriel.
Ouais, j'en sais rien. Mais bon, a priori, non, mais je pense qu'effectivement, il n'y a rien. Mais par contre, c'est bizarre, s'ils parlaient d'un mode speedrun, donc qu'est-ce qu'ils l'ont pas encore mis? Ah mais si, il y a quand même plusieurs OST en fait, non? Donc Ah, en fait, pour chaque niveau, t'as plusieurs OST. Ok, donc ouais, non, je pensais que c'était qu'il y a plusieurs niveaux dans un niveau, mais en fait, bon, c'est bien les OST différentes par niveau. Ok. Bon, bah écoutez, ouais, je sais pas trop quoi dire. Hein. Ah, du coup, waouh. Du coup, je suis presque premier. C'est classe, hein? C'est classe. Tain, je suis passé à rien d'être premier, dis donc. Ouais, non, le jeu, je peux décemment pas le conseiller, quoi. Il est pas mauvais, mais déjà, niveau rejouabilité, je trouve c'est un peu zéro, parce qu'en vrai, je trouve que tout ce qui est esquivé, tout, c'est de la moule, en fait. Après, il y a plusieurs armes, mais finalement, en gros, tu level up une arme et puis tu l'utilises tout le temps parce que c'est ce qu'il y a de mieux. Il y a plein de mobs qui spawnent du bord de l'écran que tu peux pas vraiment éviter. Il y a des trucs au premier plan, des couleurs sur les mêmes couleurs. Enfin, je suis presque triste pour eux parce qu'honnêtement, ils vont au niveau du polish, vraiment du jeu, c'est classe quoi. Mais après, il y a des bugs et puis. Puis au niveau du gameplay, ouais, c'est pas bon quoi. Enfin, pas emballé du tout, ouais. Mais toi, même moi, honnêtement, enfin, toi, j'ai joué pour terminer le jeu, mais je sais que j'en lancerai jamais quoi. Maintenant que tu tues des gens, plutôt. Ouais, c'est vrai. Bon, bah ouais, non, j'avais vraiment, enfin, j'avais peur. Honnêtement, je m'attendais presque à pire, hein. Mais ouais, moyen, très moyen quoi. C'est dans les cas là où sur Steam j'aimerais bien qu'ils mettent bof quoi. C'était à 8 noms, enfin est-ce que vous allez conseiller 8 noms, bof voilà. Là je pense que bof ce serait pas mal quoi. Il est quelle heure? Minuit 18. Cat est morte, Cléa est morte.